Nathan, t'es sûr que ça fait pas trop là, la doudoune, les gants, le bonnet ok, ça part de ski, slalom, mais bon, c'est pas comme pour drunk. T'es sûr que ça fait pas trop? Ça va le faire, t'inquiète. Parce que j'ai un peu chaud, il fait quand même 25 degrés dehors là. Putain, en plus, moi j'ai jamais fait de ski. Alors je vais vous parler de Slalom, le premier long métrage de Charlène Favier. Elle avait réalisé d'autres courts-métrages avant. Et là, c'est sa première production de long-métrage. Slalom, c'est une chronique autour d'une adolescence, celle de Lise, une skieuse prometteuse de 15 ans. Elle arrive dans une classe de sport-études, dans la station de Val d'Isère, et elle va faire la rencontre de son entraîneur, Fred, qui est un homme au fort caractère, qui va la prendre sous son aile et sous son emprise. On va ressentir vraiment une ambivalence entre l'entraîneur, qui est joué, incarné par Jérémy Régnier, et cette jeune skieuse, incarnée par Noé Habitat. Et c'est pas un film démonstratif sur l'ère MeToo, on est vraiment dans un drame psychologique. Point de vue de Lise constamment, qui à force de courage, de ténacité, de doute, elle est volontaire, elle va essayer de s'extirper de tout ça. Il y a une vraie intensité. Autre point très important qu'aborde le film, c'est la culpabilité à la fois de la mère envers sa fille, la culpabilité de pas réussir non plus à faire ses preuves dans ce milieu-là, et la volonté toujours que son entraîneur a, qu'elle aille au-delà de ses forces, à l'âge où un peu de tous les possibles, à l'âge de 15 ans. C'est un film de dualité. Lise, elle va être en duel à la fois face à son entraîneur, face à sa mère, face à sa meilleure amie aussi. Le film est constamment autour de ça. Et à la fois dualité, mais aussi c'est un film de solitude, puisqu'elle fait un sport individuel, donc elle dévale seule la piste, donc elle est seule face à elle-même lors de ses courses. Et solitude, puisqu'elle est toute seule dans cette classe de sport-études, elle a abandonné d'une certaine manière sa famille. Pour incarner Lise, voilà, Noé Habitat, que vous avez peut-être déjà vu dans un film de Léa Messui, Ava, il y a plusieurs années. Jérémy Régnier, qui lui-même a commencé à l'âge de 15 ans le cinéma, enfin en tout cas a été connu à l'âge de 15 ans par un film des frères Dardenne, La Promesse, et puis qui a tourné pas mal de films avec les deux frères belges, que ça soit Le Gamin au vélo ou L'Enfant, et qu'on verra dans le prochain film de Xavier Beauvois, L'Albatros. Pour finir, je dirais que c'est un film sur la perte et la renaissance, mais aussi sur l'arrachement et la résilience. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne séance.